Bonjour le monde entier. Ah ouais, tu lui as dit qu'on avait une histoire. Peut-être pas comme. Voilà, rap. Ah oui, il va rapper. Va te rabattre. Ça va, tu rap. Justement, tout à l'heure, j'étais en train d'écouter du rap, alors ça va bien. Maman, téléphone. Oh, puis mais je reviens. Quand je suis pas debout comme ça. Non. Non. En vrai, je suis rassuré parce que à un moment donné, je me suis même demandé si tu n'avais pas voulu qu'on prenne attention à la personne. Et tout le monde, je vois pas. Aïe. Mes oreilles. Tu vois pas tes oreilles? Non, c'est que. Voilà. C'est qu'il y a beaucoup de son. Non, c'est juste que ça a 2 parce que je baissais, ça a mis 0. Bah 2, c'est déjà très fort. Vous m'avez dit d'être discrète, on a comme une grosse conne des effets. Et je comprends pas ce qui est écrit en bas. Sur le coup, ouais, chose là. Je savais même pas que la Zoé était là, j'ai pas eu le temps de te prévenir. Mais oui, mais j'aurais dû m'en douter. Même si t'avais su, t'avais tombé de partir sous tous tes yeux. Mais sauf que là, je le reverrai plus jamais. Non, tu peux pas dire ça, t'en sais rien. Mais si, ils vont bien comprendre que c'est moi qui l'ai enlevé et puis le prix, mais ce que j'avais à voir. Qu'est-ce que t'as dit exactement, capitaine? J'ai dit que comme j'ai su qu'il avait été enlevé, je suis restée 3 jours au moins de coucher. Comment il a réagi? Il a rien dit, mais ça se voyait qu'il Mais non, mais il voulait trouver les preuves. Il n'y a qu'à regarder mon emploi du temps de vendredi pour comprendre. Qu'est-ce qu'on va dire? J'ai aucun alibi. Il va jamais vous croire. Il va très bien vous être en train de protéger. De toute façon, c'est moi. Je vous aurais pu jamais vous dire. Calme. Calme. J'adore te voir ici. On dirait que t'es jamais parti. T'inquiète pas, je m'en fous pas. Ça va? T'as pas l'air d'aller? C'est encore un café décalage horaire? Sûrement, ouais. Va te reposer si tu veux. Je vais préparer à dîner. Dream, Drawing Room. C'est écrit là. Bonjour. Je suis en groupe. J'ai rien là. Oh punaise, qu'est-ce qu'on est fin. Wahoo. T'as oublié ton chargeur. Bah ouais. Je serais venu le reprendre, je savais pas. Ouais, je suis désolée. Je sais pas, je me suis dit que t'en aurais peut-être besoin ce soir. Merci. Avec elle, hein? Si c'est fini, on était ensemble. T'as toujours des sentiments. T'as pas besoin de me répondre une fois. Je vais essayer d'oublier vraiment le truc. Tu vas y arriver, j'en suis sûre. Non, c'est quoi le truc? C'est quoi le beat? On court. On court. Ah bah salut. Moi ça va Lulu et toi. Maman.
Lulu et toi aussi, mais salut à toi. Il nous a tous les deux mis salut, Lulu. Maman. Mais oh, punaise. Lulu, il nous a tous les deux mis salut. Ah, salut. Elle a répondu salut, Lulu. Salut, Lulu, de la part de Wizbot. Ça va, Wizbot. Il est où, mon frère? Avale pas, c'est... Comment va Lulu? Lulu, tu vas bien? Pourquoi? Elle était avec moi. On a passé des ensemble tout à l'heure. Il a mis oui et toi? Ça va. Et toi, ça va? Moi aussi, ça va. Je réponds pour tout le monde, c'est incroyable. Ça, c'est la main. Maxime s'est senti hyper mal après t'avoir trahi. Putain, je te jure, il a pas arrêté de me le dire. Je te prends vraiment comme ça, franchement, en fait. Ah, je me... Non, tu peux la main, ça fait 10 ans. J'avoue, peut-être un petit peu. Vas-y, là, c'est bon. Fils. Comment vous avez découvert que votre enfant avait disparu dans la rue? Pourquoi ne vous avez pas prévenu? Je sais que vous soupçonnez Jasmine quand vous. Hexagone. Ah oui, cette zone en fait c'est une zone où on se tue nous-mêmes. Extra gamme. Ah. Extra gamme. Extra gamme. Ok, on attend. Extra gamme. Ça veut dire Squid Game. Après l'enlèvement de votre fils, vous étiez trop mal pour faire quoi que ce soit. Ouais. C'était vraiment pas bon. C'est vrai qu'elle est restée toute la journée dans la chambre, j'ai dû forcer pour la sortir à la nuit. Je pouvais pas lui dire ce qui allait pas, et du coup j'ai fini par y aller. Vous avez des preuves de tout ça? Quelles sont les preuves? Des échanges de textos, par exemple, pour convenir d'un rendez-vous, pas de horaire. La vidéo de votre entraînement, justement. Ouais, alors on n'a pas fait de vidéo du tout. Ok, je... J'ai rien compris du tout, du tout, du tout. Langue noob, je suis pas compris. Quoi? On va continuer à s'éviter comme ça. Ours blanc, il y a du soleil. Salut. Oui, ça va. Quoi de neuf? Ok, je vous laisse discuter. C'est votre discussion. Je vais pas parler de votre discussion. C'est la vôtre. Vous parlez ensemble. C'est votre discussion. Je vais pas interrompre. Mais oui, ours blanc, il fait soleil, si c'était pour nous. Il fait grave soleil. Je sors avec ta soeur, Stella. Je sais ça. Je dis pas que ça va être facile, mais je pense Ok. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux dire quoi? Tu trouves pas ça bizarre que ça va poser? Pourquoi t'as mis catafole? Tu ressens rien du tout. Divine. Bah alors, on fait pas un câlin à ta sœur. Qu'est-ce que tu fais là?
Oh merci, tu m'as laissé le coffre. Tu sais, c'est moi qui leur ai proposé de travailler ensemble. Moi, j'ai pas vraiment dû insister, clairement, ils étaient ravis. Ok, c'est bon, tu peux arrêter. Tu sais, ça m'étonne pas que lui plaise cette fille. Elle a du caractère. Elle sait ce qu'elle veut. Je veux dire, elle se laisse pas faire. Pas comme moi, c'est ça. Non, je peux dire ça. Tu as pensé très fort. 50 balles. Je voulais simplement te prévenir que c'est un petit peu ridicule. Le boulot aura l'air ta vie de faire. Si t'avais un minimum de courage, c'est parti. Tu fais à ta gueule. Mais non. Comme d'habitude, tu t'écrases. Alors, voilà le brainstorming. Vous voyez, les élèves devaient préparer 4 recettes en vidéo. Et là, là vous avez la deadline. On aurait dû tourner hier. Ça nécessitait vraiment de travailler tout le week-end. Ça veut dire que les élèves ont très peu de temps pour tourner les vidéos, donc il faut que les recettes se maîtrisent avant. J'ai bien organisé toutes les trois. Je rends pardon. Vous pensez vraiment de chercher votre histoire d'alibi miracle? Je comprends que vous soyez méfiant dans le contexte, hein, mais je vous assure, je vais la vérité. Mais même si elle devait s'entraîner, ce dont je ne suis pas certain. Qu'est-ce qu'ils me disent qu'elles l'ont réellement fait pendant le week-end? Martin? Elle vous a certifié qu'elles étaient ensemble. Elle pourrait très bien défendre son nom. Comment se passe mon nom? Ah, vous avez vu, j'espère que c'est l'enfant de nos élèves. Martin n'a aucune idée de mentir pour elle. Et puis pourquoi Jasmine, elle a rendu son propre enfant? Il suffisait qu'elle demande sa garde. Elle a peut-être peur de ne pas pouvoir l'obtenir après l'avoir abandonné dans la serre. Il en faut 105 ans. Penser sur le coup. Il a juste paniqué en apprenant qu'il allait partir avec les services sociaux. Oui, alors c'est vraiment pas elle. Et du coup, le suspect est toujours en âge. On va élargir les recherches, madame Nato. Jasmine Casmi n'est pas encore écarté de la liste des suspects. J'y crois pas. On lui a menti droit dans les yeux. On avait une solution? Je crois qu'on a raison. Jasmine peut la sauver. Mais qu'est-ce qu'il fallait faire? T'as imprimé tous vos documents, pour mais ça, je comprends pas. Il aurait fallu la laisser tomber. Au pire, la dénoncer. Alors, je sais pas pour toi, mais pour moi, c'est pas possible. Bon. Comment tu vas? Ça se passe bien, Rex? Tu veux dire que tu es rentré plus tôt? D'habitude, tu viens le week-end en plus, non? C'est vrai, ça. Travaillez pas cette semaine. Bon, vous voulez que je réponde à vos questions ou ça vous éclate de les poser tout seul? C'est grave, laissez-la parler, la pauvre. C'est vrai. Allez, vas-y, on t'écoute. Bon, en fait, on a fini notre mission pour le Castrelon. Déjà? Attends, j'ai eu Louane au téléphone la semaine dernière pour qu'elle m'a rien dit. Parce que Louane va continuer, mais pour son resto à Bordeaux cette fois. Ok. Et toi, non? C'était super bien de travailler pour le chef Reno, de bosser sur ses recettes, d'essayer de les adapter pour son click and collect. En plus, ça appartenait, hein? Ouais, grave. Il était super content de notre boulot. Mais j'ai l'impression d'avoir fait un bout de temps. Déjà. Après seulement 3 mois. Bah oui. Que veux-tu, faut croire que je me laisse pas. Oh. Ok, mais qu'est-ce que tu vas faire maintenant, là? Je pensais rentrer. Bon, rentrer, c'est-à-dire? Ici? Bah, c'est un peu la route de l'avouer, mais tu m'as manqué. Et Marie aussi. Tu nous as manqué aussi, petite fille. Et t'es encore chez moi, hein? Mais bien sûr, ce sera toujours chez toi. Et en plus, j'avais vraiment envie de retourner travailler à la papelle. Grave. Je galère. On a plein de commandes en ce moment. Et bien, ils ont resté là maintenant que tu peux. Mais ouais, un peu de renfort, ça va être bien. Au boulot? Ouais. Allez, allez. Je voudrais qu'on fasse un petit point ensemble, si tu veux bien. Quel genre de point?
Sur Maël et sur toi. Ah, donc vous êtes là pour me surveiller en fait. C'est ça? C'est à cause du kidnapping, vous pensez que c'est moi? Je laisse aux gendarmes le soin de faire leur métier. Ce qui compte pour moi à ce stade, c'est le bien-être de Maël. Ok. Je veux juste m'assurer qu'il va vivre dans de bonnes conditions. Tu comprends? Je vais tout faire pour qu'il ait un cadre de vie stable. Tu vis à l'internat, c'est ça? Ouais. Et tu comptes déménager? Tu peux pas élever un enfant dans une chambre que tu partages avec un autre élève? Je peux peut-être aller juste pour Maël. Il faut que tu puisses mettre un lit, installer un espace pour le changer, un coin cuisine. J'avais pas pensé à ça. Il te faut au minimum un studio. Eh ben, je vais chercher les appartements d'un coin. Si tu vas vous donner comment? T'as peu d'argent de côté, pas de salaire. Ben, je vais travailler. En plus de tes études et du bébé, ça me paraît compliqué. Ok, donc en fait, t'as pas de soucis. Peut-être que tu pourrais t'installer dans un foyer pour mères célibataires. Un foyer? J'ai pas envie d'aller en foyer, moi. J'ai pas envie de m'aller dans les savins. Je comprends que le mot te fasse peur, mais ce sont des endroits conçus spécialement pour les personnes dans ta situation. Ma situation? Ça veut dire quoi? C'est les cas sociaux? Non. Les personnes vulnérables. Je t'impose rien. Je cherche juste à trouver des solutions. J'ai l'impression de m'enfoncer alors. Oui, oui. Peut-être que Jasmine pourrait s'installer à la maison. Il y a pas un qui te parle. Déjà, bien sûr, parce que nous, on a de la place pour aller pour le bébé. Ce serait plus pratique. Ça pourrait marcher pour un temps, oui. Par contre, il faudra trouver une solution sur le long terme. Oui, oui, évidemment. Ah ben, parents, salut, mais j'ai pas du tout compris. Hop, on équipe ça. Salut, mais j'ai pas tout quoi? Salut, parents, mais j'ai pas tout compris, c'est ça ce que j'ai dit. Salut, bébé Yoda, et à tous. Il pourra travailler dans la team Rocket pour creuser des pigeons. Des pièges. On sert en cuisine? Oui, en cuisine. Il pourra travailler dans la team Rocket. Attends. C'est l'extérieur. T'as creusé, ça creuse, ça creuse. Après, quand tu seras bien creusé, tu pourras faire plein de trous dans le jardin. Non, pas dans le jardin. Bon, ce blanc, on va pas lui donner des idées. Donc, c'est pas vrai? Peut-être que ça pourrait être bien dans le jardin. Ouais, c'est ça. Merci, on se voit. Faire des trous dans le jardin, mais bien sûr, on a déjà les poules qui le font. On n'a pas vraiment besoin que tu leur fasses un là. Merci pour toute la thune. Oui. Et c'est toi qui veux pas qu'on... Ça, c'est bien faux. Est-ce que tu crois que c'est si simple? Si tu veux tourner la page, pourquoi tu continues à faire des planches? Oh, voilà. De toute façon, je sais pas. T'as raison. Si tu bosses avec qui tu veux, ça me regarde. Ouais, super. On a fait la discussion. Ça avance beaucoup de choses. Vous êtes sûr que ça ne mettra pas Monsieur Myriel si on s'installe ici? Écoute, je vais lui poser la question, mais je suis sûr que non, en fait. C'est comme ça. Heureusement que vous êtes là. Hein. Parce que quand elle a commencé à parler de son foyer pour mère célibataire, j'ai une angoisse qui m'a montée aussi. Tu sais, il y a des endroits très bien aussi. Hein. T'aurais pu te sentir soutenue. Ouais, enfin, ça aurait surtout été hyper loin. Avec tous les trajets, j'aurais été fatiguée, j'aurais fini par décrocher des cours. Ouais, c'est sûr que ça a demandé une vraie organisation. Non, je me suis trop battue pour intégrer l'institut. En tout cas, t'as pas trouvé autre chose, tu peux rester ici. Merci. Et tu pourrais pas demander à ta famille? Non. Ah, oui. T'as vraiment plus de contact avec eux. Ils vivent dans une communauté fermée. Une communauté? Une secte, quoi. C'est pour ça que j'aurais pas parlé de Maël et que j'ai voulu préserver ça. Je me tire. Je sais pas, je suis désolée. Ah non, mais vous excusez pas, c'est pas de votre faute. De toute façon, j'ai pas besoin d'eux, je vais m'en sortir tout seul. Hein. Toujours une solution. Oh yes, je fais 4 par 4. Entre le rythme de l'institut et puis s'occuper d'un bébé toute seule. Alors, si vous voulez, vous pouvez aussi rappeler l'assistante sociale. Par contre, les émeraudes, je sais pas à quoi ça sert. Et elle c'est bon, dans mon sac, j'ai son cas en deux places. Ça va vite. J'ai pas un moment, mais je finis à 15h. C'est bon l'argent.
entreprise en pleine croissance est à parcourir. Tandis que vous franchirez les étapes, vous vous poserez de nombreuses questions, ferez face à des défis et quelques surprises. C'est pourquoi, quelle que soit l'étape, votre conseiller Dell Technologies est là pour vous aider à vous trouver des solutions adaptées. Ainsi, rien ne peut vous arrêter. Aujourd'hui, on a décidé de prévoir nos obsèques avec une conseillère PFG. Lui parler de nos volontés, comment on voit les choses. C'est mieux pour les enfants, pas de choses difficiles à faire le jour venu, de dépenses imprévues. On l'a fait, on peut maintenant penser à autre chose. En ce moment, 2 mois offerts sur le contrat obsèque, 2 vies gratuites, souscription en agence sur PFG.fr. Qu'est-ce qu'ils racontent comme bêtises, les autres, là? This girl is late to climb prop charts. Qu'est-ce qu'ils racontent comme bêtises, les autres? Hein? Les méchants. But this girl is late to climb. Alors. Because only Heat Infinity uses thousands of gold dots. Alors, OMG, it's like the warmest ever. C'est quelqu'un qui a salué Wizbot, salut Wizbot, salut Wizbot, you, mon frère, avale pas, ça fait longtemps que je l'ai pas ban. Oui, et toi, oui, et vous. Coucou tout le monde, coucou bébé fou. Alors là, pour le bébé fou, tu vas me regretter. C'est l'ours blanc. Grâce au stand solidaire. Ours blanc. C'est quoi le planning aujourd'hui, Kata? J'en sais rien. Je ne sais pas pourquoi il est. Elle sait pas c'est quoi le planning. Coucou Lulu, coucou ours blanc. Ça va? Oui, ça va, merci. Oui, ça va, quoi de neuf? Oui, il y a du soleil. Ça te dit de jouer à Roblox ensemble? C'est qui a dit ça? C'est Lulu qui veut jouer à Roblox avec toi. Ben, Lulu, si t'as envie, je peux te permettre. De ban tout le monde. Non, je te connais. T'inquiète, bébé Tigrou, on gère. Tu peux jouer à ton jeu tranquille. Faudrait j'inscris ma fille à ce serveur Roblochon. C'est pas du Roblochon, hein. Non, mais sérieux, c'est pas du Roblochon, c'est du Roblox. Roblox. Tu veux jouer à Roblox avec moi, bébé Tigrou? Oui. Je veux. Lui, sois patient, t'auras une réponse un jour. J'ai dit oui. Bonjour, bébé Yoda, à tous et à tous. Ça creuse, ça creuse, ça creuse. Après, quand ce sera bien creusé, tu pourras faire plein de trous dans le jardin. MDR. Oh, le trou dans les jardins, c'est trop bien. Il pourra travailler dans la petite broquette pour creuser les pièges. Ça, c'est pas un qui a dit ça. Bébé Tigrou, mon pseudo Roblox, c'est Roblox à... Attends, Roblox Azer 95. Alors, est-ce que tu peux aller pour qu'on l'invite? En 2 minutes, en remuant, pour enrober tous les grands de la caméra. Non, c'est sur la croix. Mais ça fait là que je pose dessus, et si je puis me permettre, voilà. Déchire ça. Par contre, pas une autre fois. D'ailleurs, c'est Ami. Invite-moi, moi c'est Bébé Tigrou avec un X. XD. C'est Bébé Tigrou avec un XD à la fin. Non, je fais comme juste un X. XXL. Je reviens. Parce que t'es pas la première personne à me dire à quel point ma soeur est là. Oui, si tu le dis. Évidemment. Oh, mais t'inquiète, hein, ça va, ça fait longtemps que je suis plus complexée. Mais j'avoue, à un moment, c'était pas évident. C'est un peu son outil de travail d'être bonasse. Donc c'est de la pure. C'est pas faux. Ouais. En plus, elle revient de Californie, donc là-bas, soit t'as un corps de rêve, soit t'es pas du tout crédible dans ton boulot. D'ailleurs, elle a réussi à trouver une carte. C'est où que t'as trouvé son pseudo? En ligne, et franchement, ça commence à pas mal à marcher. Maman. Ah, bah, hein? C'est où que t'as trouvé son pseudo? Bah, si elle l'avait mis, mais si tu bougeais, ça risque de plus être là. Mettez votre coup de filet côté peau, sur la planche, et ouvrez les panoufles de chaque côté. Ensuite, prenez un couteau à désosser et enlevez les 2 petits filets. Là, vous taillez bien droit les 2 panneaux. Comment on a vu là-dedans? Jasmine, la maman du bébé. Apparemment, oui. Oh, c'est fou, j'aurais jamais cru. Tu t'es jamais douté de moi?
En fait, faut qu'il demande à, faut qu'il me demande d'être en ami. Toi aussi, tu peux l'envoyer normalement, mais j'arrive pas à trouver. Mais le truc, c'est qu'il faut qu'il se lance. Il est pas lancé, hein? Bah, je sais pas. Bon, une fois que votre Lui, est-ce que tu m'en sais sur le jeu? Attends, je vais essayer de gagner où tu me donneras récher, donc on est bien. Alors, c'est. Tu auras réponse un jour, évidemment. Il m'a viré le message où il donne son pseudo. Merci, bébé Tigrou. Je reviens. Roblox. Ah. Tu peux arrêter de. Qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que je t'ai fait? Pourquoi tu m'agresses comme ça? Moi je t'agresse? C'est toi tu fous le bordel à chaque fois que t'es là, c'est la merde. Bon, ça suffit. Puisque personne n'écoute, j'arrête la démonstration. Je vous félicite, vous avez tous gagné le droit d'être notés sur cette technique de main. Mais chef, on écoutait. Tant mieux pour vous, comme ça vous aurez peut-être une bonne note. Et sans votre démonstration, c'est impossible, on ne va jamais y arriver. Mais ça, fallait y penser avant, jeune fille. Allez, je vais plus vous voir sauter. Tiens, attends, je te pique ta place pour essayer de trouver. Hop. Ça m'aura appris, hein. Tu te rends compte qu'elle a le cul de venir me voir et de faire sans. Oh bah, ça fait longtemps que j'ai fini de dormir, merci. Maxime, tu sais pas si elle a besoin. T'es censée être de mon côté. Donc, on la déteste et on veut la massacrer. Salut, Bobo, le roi des saumons. Ah, on a Bob, le roi des saumons. Il a follow, c'est non, ça. Il a pas follow, il a juste pas la chaîne. T'inquiète, elle hallucine. Quoi? Qu'est-ce que. Attendez, je reprendrai tout le... toute la discussion après. Pour l'instant, je cherche à inviter. Alors. Quoi? Après ce qu'elle m'a fait? Non, mais pas pour elle, mais pour toi, pour que je t'enlève toutes tes énergies négatives. Depuis quand t'es bouddhiste? Je suis pas bouddhiste, je suis juste une bonne amie qui tient. Avec Maxime parce que ça te faisait trop de mal et tu voulais passer à autre chose. Bébé petit gros avec un X à la fin. Sans espace. Normalement là ça va se mettre. Ok. Je vais essayer. Ça va se mettre pour une demande. Namaste. Lulu, tu... Tu l'invites ou pas? Lulu, tu peux l'inviter s'il te plaît parce que nous on n'arrive pas. Je fais tout mal, c'est ça? Je sais pas si c'est en train de me juger. Non. Je fais du mieux que je peux, d'accord? Moi aussi, je veux bosser sur mes sets, je veux réussir mes études et ça fait pas de moi un monde. Attendez, je vous lirai après. Pour l'instant, j'essaie d'attendre que Lulu se mette. Je dis juste que vous ne pouvez pas laisser dans cet état. Je vais mettre un autre pseudo, ça m'a déconnecté. Vous êtes si fort. Jasmine, revenez, vous ne pouvez pas le laisser là. Mais c'est qu'elle va fermer sa bouche et pas dormir dehors la petite ville. Mais arrête, ça vous. Ah bah vas-y, pour l'instant tu joues. On verra si lui il arrive à te rejoindre. Bon, Lulu, je vais échouer sans toi en attendant que tu essayes de marcher. Imaginez le degré de beauté de leur bébé. Attends, t'es obligé de dire tout ça.
c'est que... Moi, salut, Kyoto. Ça y est, maman est réveillée. Lol. Maman, elle est réveillée depuis longtemps, hein. C'est son image qui doit plus. En fait... Mais maman, elle faisait son ménage pendant qu'il joue. De toute façon, j'ai pas de... Ben place. Oui. Arrête, ça te prend 20 minutes. Ça va mieux, enfin, Guéry. Et toi, tu étais malade? Ah, ok. Moi, la flemme de reprendre l'école. Haha, bien fait, Lulu. Ben nous, on est en vacances pendant 2 semaines, hein? Oui, c'était Aaron et moi maintenant, et maintenant c'est moi-ci. Bah, après mon cours, je dois passer justement... Non mais arrête de faire ton rabat pour une fois, il y a des gens... Quoi? J'ai pas compris. Ah, des bêtises qui ça... Je vois pas de quoi tu parles. Si. T'inquiète, elle hallucine. Parle plus fort, on t'entend pas, maman folle. Ah, elle est pas folle. Même si elle s'appelle Tata folle. Hein? Quoi? Non, j'ai rien dit, maman. Hein. Oui, je savais qu'elle avait des hallucinations parfois. Non, mais vous allez vous calmer, là, les deux. Par contre, ça, c'est bien. Après, elle a bien tout le temps des hallucinations. Tout il est temps. Bizarre, ce pseudo. Le pseudo à qui? Bob l'éponge. Qu'est-ce qu'il... Je n'ai pas de cataphile dormir. Ma vie est dure. Je suis enfermée. Ouvrez-moi, MDR. Qu'est-ce que vous avez avec... Je vais mettre un autre pseudo, ça m'a déconnecté. Aïe, mes oreilles, bébé Tigrou, MDR, il y a pire. Il y a pire, c'est amusant. Chut, maman est là, faites pas les idiots, autrement elle va tous sauter. Elle va tous sauter. D'accord. On tous être ban, on se fait tout gentil maintenant. Kurudo, cache-toi derrière moi, je te protège. Du coup, mon pseudo, c'est RobloxZR974. Ben, invite-le, Lulu, ce sera plus simple. D'accord, je fais comme dans Squid Game, tu seras mon bouclier jusqu'à la fin de la partie. Le temps qu'elle réalise et qu'elle relise tout son chat, t'es pas prêt de jouer. Wizbot a repris ton ancien fournisseur. Demande à elle, Attends, il y a peut-être Lulu qui t'a envoyé une invitation. Mais non, fallait pas fermer. Poussez-moi. Salut Noxtal, c'est qui a reçu un... De quoi? C'est Lulu. Je sais. C'est Lulu, là. C'est Lulu, la Lulu. Attends. Et on va vite faire attendre qui répond, qui répond, qui... Oh. Là, tu l'as trahi, hein. Je suis pas sûre. Hein. Il va y être encore pote. On a un capitaine. C'est ce que je suis, il n'y a pas d'autre mot. Il n'a pas été laissé avec un aile. On a un capitaine. Hé, hé. On a un capitaine. Hé. Oh, je recule. Oh. Par contre, là, c'était un peu trop reculé. Non, on y va ou pas? Quoi? Non, on y va pas. Tu prends un médicament? Ouais.
ai jamais pris. Mais pourquoi? Parce que j'ai peur que ça m'empêche de cuisiner ou que ça soit toute molle. Je sais, je suis désolée. Je pensais que j'arriverais à tout gérer. Bara, t'es pauvre! Yo, il est beaucoup plus riche que toi! Mais elle a besoin que tu sois stabilisé. La magie non plus, hein. Mais patiente, il va falloir qu'il soit bien entouré. Je suis super bien entouré, monsieur Myriel. Oui, on continuera d'être là, t'inquiète pas, mais sur le long terme, ce ne sera pas suffisant. Et comme tu ne veux pas prévenir ta famille, je voulais juste monter un peu plus. Non, plus, je ne peux pas. Je voulais juste monter plus. Si carrière. Bonjour les gens. Oh non, Je t'ai vu avec Andy Cuisine. Mais c'est Louis là, ton ex qui nous a mis en binôme. Tu bosses avec qui tu veux, ça m'en regarde. Maxime, c'est pas un mec. C'est le mec que j'aimais. Il a un méchant tendre. Écoute, pour encore une fois la bouche, c'est ton genre. Sors maintenant, sors. Mais tais-toi. Je comprends pas pourquoi tu me laisses pas tranquille. Jasmine, calmez-vous. Et ben, vous avez qu'à vous en occuper, puisque vous êtes si forte. J'ai craqué. Ça va être l'heure d'aller à la guerre. Aujourd'hui. Ça va? Bien dormi? Oui. On a presque tout vu. Un vrai petit chef. Jasmine, tu as essayé de réunir l'équipe pédagogique pour parler de l'accident d'hier avec Naël. Ma chef Armand lui a raconté que j'avais laissé un plan. J'imagine. Ça revient. Je vais discuter, pas te renvoyer. Mais Tessie va vouloir se débarrasser de moi, c'est sûr. On s'y reposera avec Antoine Durcel. Merci. Je sais vraiment pas ce que je confonds. Hein. Je te l'ai dit, je donnerai le temps qu'il faudra. Mais je pense aussi que t'as besoin de tout le soutien possible. On non. Prend des basiques. Ah, tu m'as dit qu'il était ici, il pourrait t'épauler. Mais j'ai pas besoin de lui. C'est qui? Je préfère pas dire. Mais pourquoi tu veux rien dire? Lui, il est basique au moins. C'est un basique. Mais au moins, c'est un bazooka. Mais il s'en fout, j'en suis sûre. Alors, c'est pas à toi de décider, Jasmine. Laisse-lui une chance de pouvoir s'impliquer. Mais si je vais voir et qu'il m'envoie chier. C'est les feux de l'amour à la télé. Non, c'est pas les feux de l'amour à la télé. Oh. Et pas si qu'est-ce que je vais faire, ça. Je dis pas ça pour te culpabiliser, mais je pense que tu peux faire un petit problème. Non, c'est ici tout commence à la télé. 8. 9. Les genoux dépassent pas les orteils, mon ami. Non, mais parrain, te fais pas d'illusions. Wizbot, il est à 150% avec tout le monde. Wizbot. Alors que Wizbot, il banne tout le monde. Il aime tout le monde. Ouais, mais il banne tout le monde parce qu'il aime personne. Boum 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 boum. Ouch. C'est quoi ça?
Je me sais, c'est quoi? Pour ça, vous voulez qu'il ait son cœur. Vous voulez pas qu'il y ait rien. Tu peux répéter? Non, rien. T'es sûr? Parce que j'ai cru t'entendre dire que j'étais payé à rien foutre. Bah, moi je dis juste que je facture pas quand je suis sur mon tel, quoi, c'est tout. Ah bon. D'accord. Il va falloir que je mérite mon salaire, c'est ça? Alors on va prolonger le cours. Et vous allez m'en faire 20 de plus. Mais non, pitié. Pour remercier votre camarade là-bas. Oui, monsieur. Oui. On est reparti. 1. 2. Je te déteste, Lano. 3. Je te déteste plus qu'à l'époque de Voldemort. 4. Avec plaisir de choix. Tu sais que t'es canon, mon ami. Oui, alors, tous les jours, effectivement. Hey, il m'oublie. Oh là 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 là, mais c'est dingue, on ne peut pas être tranquille deux secondes. Oui. Pardon, je pensais que tu serais tout seul. Eh ben non, mon lapin, tu vas bien. Je repasserai. Salut. Non, qu'est-ce qu'il y a? On peut mettre... une roquette dans le canon. Je sais pas par où commencer. D'accord, mais ça on peut pas faire pour toi, tu vois. Donc... Non, mais c'était une mauvaise idée. Laisse-moi. Ok. Je veux savoir, moi. Je t'écoute. Je voulais savoir si. Tu pouvais me montrer comment rouler une salle d'amour. Attends, tu nous as interrompu pour ça? J'ai mis tout à l'heure et je serais un peu me planter. Ok, d'accord. Et en fait, tu te dis que parce que t'as bossé dans le restaurant de mon père, ça fait moi ton mentor, c'est ça? Non, je me suis dit que tu pourrais m'aider. Ouais, mais non. Non, demande à quelqu'un de ta promo, j'ai des trucs à faire, ça va pas. Mais vas-y, il m'a volé mon avion! D'accord. T'es sûr que ça va aller? Ouais. Et eux, genre, ils y arrivent et puis pas moi. Ah ben, t'es sérieux? Ah, ça, tu te comportes comme un gros connard, d'ailleurs. Je te ramène pas. Voilà. Pourquoi on est mort? Ah. Écoute, il y a eu un truc. Mais c'était juste sur le moment. Ça va pas plus loin. Moi, je suis amoureux de Naïma. Nous deux, c'est impossible. Donc, il faut vraiment que ce soit clair pour toi. Et tu passes autre chose. Ouais, mais c'était pour que tu me lâches. J'ai deux choses à faire. Ah bon? Comme quoi? Bah mes cours, déjà. Et puis, pour me reposer, je suis fatigué. Bon, laissez-moi un peu un seul avion. Merci pour ton invitation, ça coûtera pas cher. C'est juste un menu adulte et un menu enfant. Là, je t'ai pas invité, hein. Je vais faire deux heureuses et même trois, parce que comme ça, je vais pouvoir aller traîner tranquille devant la télé. J'ai juste dit que moi, je mangeais au resto, j'ai pas dit qu'on t'invitait, hein. Okay. Ah, cool. On peut pas aller à la nage. Il y a des changements sur la carte de vin.
Bonjour, comment c'est? Quelle table est venue? C'est écrit sur la feuille de service. Je l'ai pas reçue. C'est parce que c'était pas directement adressé. Elle est affichée derrière le bar. Ah oui, je sais pas. J'ai jamais installé de table encore. C'est pas une raison pour pas regarder ce qui se passe autour de toi. Ok, après, dis gentiment, ça fonctionne aussi. Tu veux un challenge en fin de vie. Ça va. On souffre de là un peu, hein. Allez, chais. Crash. Arrête, tu vas parler comme ça avec quelqu'un d'autre. C'est vrai que je m'énerve, mais je suis pas. Ouais, en plein dans le moteur. Je résume, si j'ai bien compris, on a une barge qui laisse traîner son mioche dans l'institut n'importe où, c'est ça? Elle est pas barge. Laisse tomber, elle habite pas les animaux. Bah oui, les animaux, c'est nous, on les invite pas, nous. Surtout pas les ours qui sont blancs. Tout le monde part. Non. J'ai une blague pour toi. Qu'est-ce qui est vert qui monte et qui descend? Papa, c'est un petit poids dans un ascenseur. Eh non, c'est moi. Je descends poster mon polissimo neutre en carbone depuis une autre boîte aux lettres. Et puis après, j'en doute. T'as besoin de sortir. Malin, mon père. En boîte Covid depuis votre boîte aux lettres, et vous avez notre carbone polissimo. Oui,
Télécom s'engage avec les associations en créant une plateforme de bénévolat qui permet à chacun de proposer son aide partout en France. On est fait pour être ensemble. Oui, Télécom. Quel est le moyen le plus simple de s'offrir une vie de château ? Prendre d'assaut un château dans les règles de l'art ? Pas très efficace ? Réservez plutôt un plan simple. On s'est craché, maman, on a encore envie. Un plan de récompense suite à votre séjour. Hôtel.com, trop facile. Mal à la tête. De quoi? Les médocs. Ça, non, c'est une grosse chose. Ok. J'espère que c'est pas trop mal. Tu sais bien. J'ai envie à crash, to vip, sleep. Ok, on est des VIP. On voulait aller sur une plage et notre avion s'est crash. Alors, je dois survivre à un crash et je suis dans VIP. J'attends des phases d'euphorie, de l'effet en vente. Désolé, chef. Et attends, ça se soigne ou... Ouais, il y a un traitement, mais... J'ai peur de perdre toute ma créativité en cuisine. Non, mais ça se trouve, sous mes doigts, je serais nulle. Non! Et puis là, sur cette étage, je peux vraiment pas me foirer. Donc, Après, c'est une note. Enfin, si tu te plantes, tu vas t'en mettre, non? Non. Si je me plante, c'est vraiment. Je voulais pas sauter! Parce que lui, il se demande si mon état est. De plomb arrive à. Si mon état est pas trop instable. Il a des idées sur mon évan? Ouais. Oui! Il pousse! Bon, je peux t'aider à t'entraîner si tu veux. Je te fais pitié à ce point-là. Quoi tu disais ? Ce matin, je viens te voir, je te demande de l'aide et je m'envoie chier comme pas possible. Et puis là, je suis découvert, ça y est, tu veux m'aider. Non, c'est juste qu'après coup, j'ai réalisé que j'étais un peu con avec toi. Et que tu ne méritais pas. C'est vrai ? Ouais. Et puis t'as du talent, ce serait con que tu te fasses virer. Tu trouves pas ? Ok. Et par contre, juste une chose, tu t'habitues pas trop, hein, je sais pas ton capacité, c'est juste cette fois. Ouais, ça va. Ok, très bien. Là, go. Parti. Ok, je te montre une fois, et après tu fais. Ouais. On est tombé sur l'île. On a survécu. Et le but, c'était de survivre. Et on a survécu. On a survécu. On a survécu. Yes. Il fait froid dans l'eau. Pour amener un plat très chaud. Je sais pas si c'était brûlant. La cuisine, vous n'avez pas prévenu ? Si j'avais dit à Salomé. Allez à l'infirmerie. Madame Bessé va s'occuper. Salomé ! C'est quoi cette histoire ? Pourquoi vous le. L'avion va bientôt arriver. Avec le rush service, j'ai oublié. Désolé. La première année, on s'ouvre. Oh ! Il boit du Pikachu ! Allez, on accélère ! Tu crois que ça va si je fais ça? Alors? Ça donne quoi la barjo? Non, pardon. La bipolaire. Tu as pu l'évaluer? J'attendais. Allons-y. C'est ce que tu peux aussi parler en bout. On travaille en silence. Merci.
Vous avez taillé les panneaux sans quadrillage avant de les affiner ? Oui, chef. Pourquoi t'as fait ça ? Je savais pas. Ben, je sais pas, ça veut dire. Je les ai taillés en quadrillage parce que j'ai taillé. Mais si je suis dans l'avion, ça va, je veux pas faire mon crash. T'as vu. Oh. Mais, mais parfait, j'avais soif. Des gâteaux. Du coca. Gâteau. On va se prendre une barre de sneakers. Ça va votre main ? Qui est juste là. Vous n'avez pas besoin de revenir. Je sais, mais c'est un gros service. Je vais l'aider. Les yeux vous en remercie. Faites attention quand même. Ah, oh, ça me fume le bruit. On doit s'en aller de cette île. On peut pas survivre dans une île. Tu vas laisser client faire la service à ta place. Est-ce que je peux avec maman? On est d'accord, je vais bien traverser l'île. Je suis sous l'île. Tu es complètement taré. C'est moi qui suis taré. Franchement, tu vois pas mieux. Ton faux suicide, tu veux dire? Mais je peux pas. Là, t'es vraiment beaucoup trop bien. Allons, on n'est pas parti. Boum. Faut que je me dépêche. Faut que je m'en réfugie dans l'avion. Je ne pourrai pas mourir parce que dedans il n'y a pas d'eau. Je déconne. Imagine un moment il tombe dans l'eau. Il va pas se crash. L'eau va la ralentir. Non, mais encore il n'a pas répondu. Alors, cette éval, t'as tout déchiré? Je sais pas, mais je t'en dirai. Ça va convaincre le grand méchant caissier. Bravo. Le grand méchant caissier. Ouais, j'avais aussi Tessier le diabolique. Ou... Terrible Tessier. Bon, et cuisiner sous mes notes, du coup, ça fait quoi? J'ai pas trop vu la vie, en fait. Ouais. Enfin, je sais même pas si ça commence à faire. Non, c'est que t'as tiré, ça, en tout cas. Ouais, mais ça, c'est surtout grâce à Greg. Merci. Mais non. Toi aussi, t'es content de rester. Bah ouais, je sens ça déjà. Surtout. On va peut-être te laisser profiter. Hein? T'as l'air bien, mais c'est pas de la faute. C'est mal comme il est mignon. T'as pas mal, là-bas? Oh là là. Ouais, 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 si tu veux. Oh là là, mais c'est pas permis d'être aussi mignon. J'attends mon train. Mais pourquoi viens tu une poète? Oh, je suis sûre que c'est toi, Lulu. Lulu, monte! Ça va, Lulu?
Je suis sûre que c'est toi. Ah ouais, Lulu, salut. Ok. Il n'y arrive pas. Alors, on peut pas se mettre à deux. Wow. À toutes. Bon appétit. Pourquoi on n'enchaîne pas et on va mourir? Il va se passer quoi? Ah, ouais! Comment ça? Peut-être pour ça qu'il y avait un enchaîne pas. C'est super bizarre tout à l'heure. Il se passe rien. J'étais juste fatigué. Ah, le trou noir! Je t'ai jamais entendu dire un truc comme ça. La nuit, qu'est-ce que tu veux? Tu sais que tu peux me parler à moi. Je vois pas de quoi tu veux qu'on parle en fait. Bah, j'ai bien vu avec celle-là comment vous étiez jeune. Même ce matin, vous ne voulez pas faire la vidéo. Il se passe quoi? Oh, bonjour monsieur! Attends, je te connais, je vois bien qu'il y a un problème. Je vois ce qu'il y a au fond. Au fond, il y a une porte pour s'évader. Vous avez bougé ensemble ? Non. Non, j'aurais jamais fait ça. Non ! Il y a une ambiguïté. Ah non, ça fait exprès, je suis tombée à l'aide. Je vais me faire écraser si je me dépêche pas. De toute façon, je peux pas courir plus vite. Et pourquoi vous êtes ici mal à l'aise si c'est super? Mais à ton avis, on n'a pas envie d'être con. C'est ça ou c'est parce que tu la quittes plus que tu veux bien aller? Pas du tout. C'était juste un mini flirt, mais c'est fini là. C'est pas méga sûr, hein, pourtant. Hein. Est-ce que tu me lâches pas? Oh non, je vois le train, il va m'écraser. On voit le train, il est encore stoppé, mais à un moment il va nous écraser. J'ai envie de voir ce que ça fait d'être écrasé. Tu l'as pas trouvé chez vous, Jasmine, t'as l'air? Lulu, je te vois! Il y a plus que d'habitude. Lulu! Aïe! Attends, quoi? Je suis sous les roues! Oh! J'étais tellement proche! J'étais tellement proche! Tu sais très bien. On a couché ensemble. C'est pas possible. Je sais, c'est lui, mais tu sais, c'était avant que j'assume que j'aimais le mec, alors. C'est pas ça le problème. Lulu, attends-moi, sinon je veux encore me faire écraser. Vous avez couché ensemble pendant son stage au resto de ton père? Ouais, enfin, l'été dernier, quoi. En quel temps exactement? Je sais pas, en août, ouais, en août. Et ça fait pas titre dans ta tête, là. Mais de quoi tu parles? Fais le calcul. Naël, on est en mai. Attends, c'est ça ta phrase, hein? Il est parti sans nous. Il est parti sans nous. T'as réussi à monter mais pas moi. Alors ça fait que maintenant elle est partie sans moi. C'est ma pote, tu sais que je t'adore, mais c'est plus possible à ça, mais tu fais n'importe quoi. T'es pas parti alors je pars. Attends, déjà j'y comprends rien aux abonnements. Alors si tu me parles de sub, laisse tomber. Bah les subs et les abonnements c'est la même chose. Excuse-moi, moi j'étais plus en train de lire le chat. J'ai pas vu ce que vous avez dit. Eh Lulu, si tu m'entends dans le jeu, viens. Ah bah, c'est moi qui vaut rien. Qui sera le premier sur l'éjecteur? Mais non, je réfléchissais pas à ça, je suis en train de discuter. Mmh.
Elevator, non. Kata, tu es gentille, tu es trop forte. Oui, je sais qu'elle crie tout le temps. Je sais, elle crie tout le temps. C'est parce que, tu sais pourquoi ? Pareil, il envoie ça ? Non. Parce qu'ils sont en train de dire que je vais finir par les mettre à la porte de la chaîne. Et donc là, parrain, il est en train d'essayer de se racheter pour être tout gentil pour pas que je le vire. Ah, moi j'ai cru que c'était parce qu'elle criait tout le temps, mais non, oui. Non, oui. Il est en train de dire que je suis trop forte, que je suis trop gentille pour pas que je le vire. Mais oui, par contre, c'est vrai qu'elle crie tout le temps, elle me braille dessus tout le temps. Au moins qu'elle a rien entendu. T'es sûr, j'ai entendu. De toute façon, tu vas bientôt couper pour qu'on se prépare et qu'on y aille. Oui. Regardez comment on marche. Extérieure au live, donc j'ai pas vu. Alors il faudrait que j'aille sur l'ordinateur pour voir les messages, mais comme il est en train de jouer, je veux pas l'embêter. T'as reçu les résultats du test? Ah, je sais même pas, je t'avais rien. Ah oui? Ouais. Bonjour, monsieur Laurent. On en finit. Non mais en fait ça nous met l'image de ce qu'on va faire. La vérité sort toujours de la bouche des enfants. Ouais. Et voilà, on nous voit là-bas. Non laisse tomber, il n'y avait rien d'important sur toi. Oh là, attends. Zabou ? Zabou ? Oui. Attends deux secondes. Laisse-moi l'ordinateur deux secondes. Ouais, tu veux le ban ? Non, je veux voir ce qu'ils ont mis. Alors. Je préfère poser la question pour être sûr de la réponse. Alors attends, Catafol, n'oublie pas de mettre sur ton 31 pour le resto. Attends. Alors. Attendez, j'essaie de remonter jusqu'où j'avais arrêté. Faut toujours choisir ses abonnés, ça j'avais vu. Ça c'est pas. Alors, je sais pas si j'ai fait une erreur XPTDR. T'as raison, ours blanc, on reprend notre sub et on se désabonne. Et vous, depuis tout à l'heure, vous êtes tous les deux sur mon dos. Ça, j'avais vu, c'est moi qui l'ai envoyé. Attends, déjà, j'y comprends rien aux abonnements. Si tu me parles de ça, laisse tomber. Maman, tu peux me redonner. Non, je monte. Attends, mais. Non, je monte pas sur ton dos, moi. Mais chanteuse, ça a commencé sans moi. Oui, je monte sur ton dos et on me fait quelques bâtons dans les roues ou marche sur les pieds si tu préfères. On dirait l'image. Des frises, je crois que la carte graphique donne des signes de faiblesse. Je sors au moins que ça vient de mon PC en ce moment. C'est internet qui n'est pas stable. Ah, merci, ça me rassure alors. Oui, aussi, ça me fait ça. Et il n'y a pas internet qui est pas, il n'y a pas que internet qui est pas stable. On peut venir, il peut pas venir sur Discord pour parler parce qu'il n'est pas. Parce que c'est un peu nul. N'oublie pas de te mettre sur ton 31 pour le resto. Qui ça, bébé Yoda pour Roblox. Demande à bébé Tigrou de se mettre sur Discord car il ne peut pas parler avec lui. Ah d'accord, attends deux secondes. Il me semblait... Bah, de toute façon, on va arrêter parce qu'il faut qu'on se prépare. Il me semblait, mais j'ai préféré poser la question pour être sûr de la réponse. Bébé Tigrou, ça va maman? C'est endormi sur le canapé, vu qu'on ne l'entend plus. Je me pose des questions, le syndrome du sommeil, tu penses? N'importe quoi, les gars. Peut-être ou autrement, elle est plongée dans le film, elle a tout oublié, même son bébé Tigrou, MDR. Ça va, on le surveille, lol. On fait du babysitting online.
Autrement, elle fait semblant de nous lire et elle a le doigt sur la gâchette pour, pour nous deux, c'est peut-être la solution aussi. Elle réfléchit à si elle nous banne, tu crois? Ah ben, elle réfléchit qui sera le premier dans l'éjecteur XPTDR. T'as vu, elle fait croire. Kata, tu es gentille, tu es trop forte. Lol, je fais mon petit mouton. En plus, elle commence par la fin, elle remonte au début du chat, elle fait tout à l'envers. La vérité sort toujours de la bouche des enfants. Non, alors, non, laisse tomber, il n'y a rien d'important sur toi. C'est toi qui as commencé, XPTDR. Non, c'est bon, c'est pas la peine, crois-nous. Tu n'es plus mon bouclier. Non, débrouille-toi avec elle. XPTDR, MDR. Elle parle vite et à moitié de là. On est. On en était où? Je me suis perdue aussi. Si elle a loupé son resto, on fait durer la conversation. C'est bon, tu peux. Mais on va falloir qu'on y aille, moi. Ils sont insupportables. Ils sont pas gentils. Ils veulent nous faire rater notre bon resto. Tout ça parce qu'ils sont jaloux de ne pas pouvoir y aller. Hop, on va le rejoindre. Merci Lulu de m'avoir dit à rejoindre, mais c'est très gentil. Ah mais par contre, coucou, on va y aller, hein, parce qu'il faut qu'on se prépare. Ouais, parce qu'on est encore en pyjama, hein. T'étais pas obligé de le préciser. Attends, on n'a pas fini, on a encore des trucs à dire. Bah vas-y, dis, hein. Zut, faut rouver quelque chose. Faut rouver quelque chose, t'es sûr, parrain? Chez moi, c'est faut trouver. Enfin, faut rouver. Chez moi, c'est aussi rouver, et pas rouler. Le livre, pour l'instant, je ne t'ouvre pas. On peut pas sauter. Oui. Okay. Au prochain live Roblox, je mettrai Discord comme ça on pourra s'entendre, ok? Ouais, c'est juste avec Lulu, hein. Personne d'autre sur le Discord, sinon les autres vont faire plein de bêtises, ils vont bien nous tabasser. Je suis pas bouché. On est d'accord, je suis pas bouché. Ah, au fait, parrain, tant que t'es là. Parrain, si t'es encore là.
Alors, attends. Zut, faut trouver quelque chose, ça j'avais vu. Quelle idée de faire un resto le dimanche midi? Pas de ma faute, ils n'étaient pas ouverts le samedi. Je roule les R, donc les lettres en moins. D'accord, bien sûr. Depuis quand tu roules les R, toi? Vu que ça l'a fait rigoler, on peut continuer à parler sur son dos. D'accord. Tu es d'accord pour dire qu'elle est une grande pyromane? Chut. Chut, elle est de retour. Et j'étais partie m'habiller, merci bien. Hein. Et toi, il va falloir que tu y ailles t'habiller, toi. Bon, ben, on va quitter le live pour le... Oui, non, parrain, attends, avant que tu quittes le live, il faut que je parle à parrain. Parrain, sur pour le MMORPG, on était en train de discuter avec Yo et elle fait hier soir. De toute façon, tout ce que je voulais, c'est quelque chose de le mettre en l'air. On était en train de discuter avec Yo et elle fait hier soir et sur coup, on était en train de se dire que on repartirait peut-être sur Warcraft. Ça te tente ou pas? Ours blanc, relève-toi. Voilà. Parce que Yo aimerait bien reprendre Warcraft et puis elle fait aussi. Et sur coup, bah, on s'est dit que vu qu'on trouve pas vraiment un MMORPG qui nous motive tous. C'est que je vais arrêter de jouer. C'est Lulu qui a dit ça. Et donc, Ours Blanc aussi, si tu veux venir nous rejoindre sur Warcraft, il n'y a pas de souci. Hein. Il est payant par contre. Hein. Lulu, c'est pas bien de dire ça, alors tu vas en l'air. Mais donc voilà, donc sur coup, c'était l'idée en fait, vu qu'on veut partir sur un MMORPG tous ensemble, sur coup, on repartirait peut-être sur Warcraft qu'on connaît tous et qu'on sait que, enfin voilà, on n'a pas été déçus de Warcraft et on se marre bien dessus, donc pourquoi pas. On va mettre tous les gars ensemble. Pourquoi pas partir tous ensemble sur Warcraft? Donc je sais que j'avais basé la chaîne sur du gratuit, mais en fait, exceptionnellement, pour le MMORPG, on peut partir sur du payant, ça ne me dérange pas. Non, je connais pas. Tu connais pas Warcraft? Eh bien, on te fera découvrir. Bon, bébé Tigrou, tu arrêtes là? Parce que faut peut-être te préparer, toi. Je t'entends ton vêtement d'ailleurs. Attends, je vais les aider. Vous volez par magie noire. C'est ma magie noire qui vous fait voler. Qu'est-ce qui se passe? Il y a plein de monde qui arrive. Qui veut une bombe? C'est gratuit et pour tout le monde. Attendez les gars, je vous libère. Ah punaise. On lancer une dans le tas. Attends. On va en lancer une dans le gros tas. Tu vas obligé de tout fiche par terre. Allez, go! Non, mais. Ouais, mais là, faut qu'on y aille, là. Ouais. Waouh. Eh, arrêtez de péter, là. Oui, c'est clavier souris, ouais. Bon, ben. On va arrêter le live. Oui, Warcraft, on